Stéphane Plaza incontrôlable. Sophie Ferjani balance du lourd sur le présentateur. Dans une récente interview, Sophie Ferjani a fait quelques confidences sur Stéphane Plaza. Les téléspectateurs de M6 le savent, Stéphane Plaza est un phénomène. Sophie Ferjani, avec qui il a collaboré pendant plusieurs années, le sait aussi. D'ailleurs, lors d'une récente interview, la jeune femme n'a pas hésité à balancer sur son collègue. Elle affirme que l'animateur est incontrôlable pendant les tournages. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeco va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts? Stéphane Plaza, Sophie Ferjani, un duo qui fonctionne. Depuis plusieurs années maintenant, Stéphane Plaza fait les beaux jours de M6. Avec ses émissions, Recherche appartement ou maison, Maison à vendre, ou encore, Chasseur d'appart. Il ne se passe pas une semaine sans que l'animateur soit à l'écran. Et à chaque fois, c'est un succès. En effet, elle rassemble à chaque fois plusieurs millions de téléspectateurs et cela n'est pas près de s'arrêter de sitôt. Pour que le succès reste, le présentateur sait s'entourer des meilleurs. On pense notamment à Sophie Ferjani, qui est avec lui depuis 2007. Depuis près de 15 ans donc, Sophie Ferjani et Stéphane Plaza font des miracles dans « Maison à vendre ». Très vite, le courant passe entre les deux collègues et la complicité s'installe au fil des années. Mais quel est donc le secret du duo? Dans une récente interview, la jeune femme a pris le temps de l'expliquer. Pour elle, il faut avoir du caractère, il faut avoir de la personnalité avec Stéphane. Par exemple, il a tendance à crier lorsqu'il parle. De temps à autre, il faut oser monter le ton pour lui demander de se taire, explique-t-elle notamment. Sophie Ferjani doit parfois hausser le ton. Mais si le duo fonctionne bien, ce n'est pas toujours facile pour Sophie Ferjani. En effet, la jeune femme explique que le caractère bien trempé de Stéphane Plaza n'est pas toujours facile à gérer. Par exemple, il a tendance à crier lorsqu'il parle. De temps à autre, il faut oser monter le ton pour lui demander de se taire. La mère de famille enchaîne ensuite et explique. «
C'est vrai que Stéphane a l'habitude de prendre les devants, mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut lui demander de temps en temps de se calmer et de le réprimander lorsqu'il va trop loin. Pour autant, Sophie Ferjani n'a aucun problème à s'imposer devant lui. D'ailleurs, Stéphane Plaza aurait beaucoup de gratitude pour le travail de sa collègue. Il sait qu'ils sont complémentaires, et c'est pour cela que ça fonctionne, on est complémentaires. Il a besoin de moi et j'ai besoin de lui. Je suis architecte d'intérieur et il est agent immobilier. On fait un vrai binôme et chacun a sa place, son temps de parole, son truc à dire, ses informations, sa légitimité. Une amitié profonde entre Sophie Ferjani et Stéphane Plaza. Sophie Ferjani prend toujours beaucoup de plaisir à retrouver Stéphane Plaza sur les plateaux de télévision. D'ailleurs, ils sont assez proches, selon les dires de la jeune femme. Je ne vais pas dire qu'on se voit toutes les semaines car on a des vies très prises, chacun de notre côté. On n'a pas tant le temps de se voir. Il y a une profonde amitié et un profond respect mutuel. Stéphane est mon ami. Une chose est certaine, cette complicité se remarque à l'écran. Et les téléspectateurs qui regardent Maison à vendre sont heureux de cela. Vous aussi. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous lisons tout, comme d'habitude.